Je viens de créer un avion sur le Lego de Fortnite. Et cet avion, je peux carrément le piloter et le pivoter. Donc là, si je veux aller sur la droite, hop, je fais ça. Et maintenant, je vais vers la droite. Si maintenant, je veux aller vers la gauche, bah, c'est possible aussi. Hop, je fais ça. Et là, je vais vers la gauche. Et voilà, c'est trop stylé. Et en plus de ça, cet avion peut carrément atterrir parce que je lui ai mis des roues. Et ces roues, je peux carrément les contrôler pour, par exemple, bah, avancer vers la gauche ou vers la droite. Je peux même reculer si j'ai envie. C'est vraiment un avion tout terrain. C'est trop stylé. Après, si je veux, je pourrais mettre un lit quelque part ici ou un coffre. Comme ça, je peux me trimballer avec un coffre. Après, on peut sûrement réaliser cet avion en plus gros. Ça demandera plus de ressources, mais c'est sûrement réalisable. Bon, j'ai passé plus ou moins une heure à essayer de conceptionner cet avion. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et si vous avez des autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Si vous avez une meilleure façon de faire des meilleurs avions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc c'est parti pour la création et le tuto de cet avion. Donc ce que j'ai fait, première chose, c'est que j'étais dans mes gadgets. Alors bien entendu, je vous le présente en mode bac à sable parce que voilà, c'est pour faire des tests et vous me présenter. Donc j'ai des ressources illimitées. Donc là, ce que je vais faire, première chose, c'est de placer une chandelle. Quand j'ai placé ma chandelle, je vais créer la base de l'avion. Donc je vais dans mes pièces de véhicule. Non, je vais dans mes ballons, dans le général. Et je vais choisir la base dynamique de taille M. Ensuite, je la place sur la chandelle. Maintenant que j'ai placé la base, il me faut les ailes. Alors les ailes, je les ai trouvées dans les pièces de véhicule. Et j'ai choisi la pièce véhicule une place. Et là, je l'ai mis comme ça sur le côté, sauf que je l'ai inversé, hop, et je l'ai placé sur la gauche, et j'ai fait la même chose sur la droite, hop, je l'ai inversé, et je la place, voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a placé les ailes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les réacteurs. Donc les réacteurs, j'en ai placé 4 en bas, donc c'est dans contrôle. Ici, j'ai pris des petits propulseurs, voilà, des petits propulseurs, j'en ai placé un en bas. Je vais essayer de bien le mettre, voilà, comme ceci. Ensuite, j'en ai replacé un tout petit peu plus loin, alors comme ça. Ensuite, j'en ai replacé deux vers l'avant, un ici et un vers l'avant, voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a placé les réacteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les roues pour pouvoir faire l'atterrissage et le décollage. Donc, j'ai choisi dans les pièces de véhicule les ailes M, de taille M. J'en ai placé une à l'avant gauche. Une à l'avant droite, donc j'ai essayé de bien les centrer quand même. Voilà, c'est parfait. Ensuite, j'en ai placé deux à l'arrière. Pour placer celle-là à l'arrière, je me suis placé comme ça. Hop, j'en place une sur la droite. Et là, il faut que j'arrive à placer celle de la gauche. Ok, parfait. Là, j'ai réussi. Donc, je la place. Ensuite, j'ai choisi des roues, mais pas n'importe quelle roue. J'ai choisi les roues motrices de taille M pour les mettre à l'avant. Donc ça, les roues motrices, ça me permet de tourner à gauche ou à droite, donc je les place à l'avant correctement. Bon, là je les ai mal placés. Alors par contre, il faut d'abord placer celle de l'arrière, ce que vous avez vu à l'avant. Si vous placez celle de l'avant en premier, ça va faire pencher le truc et il va tomber. Donc on va placer à l'arrière et on va d'abord placer les roues alimentées. Les roues alimentées, ça vous permet de rouler en avant ou en arrière. Donc on va bien les placer, hop, voilà. Ok, ça a détruit la base, mais c'est pas grave. Essayez de bien placer les roues à l'arrière avant de faire ceux de l'avant. Donc là, je place les deux roues motrices à l'arrière. Non, alimentées, excusez-moi. Et maintenant, je place les roues motrices à l'avant. Parfait. Quand j'ai placé les roues, je vais placer un moteur. Le moteur, ça va me permettre... Donc, c'est dans les contrôlés. C'est dans le centre d'alimentation. Je prends le moteur de taille S, donc le plus petit, et je le place à l'arrière. Et ça me permettra de contrôler les roues. Ensuite, je vais placer des interrupteurs qui me permettront de contrôler les réacteurs. Donc hop, j'en place un ici, j'en place un deuxième là et un troisième là. Ensuite, il me faut bien entendu un siège qui me permet de contrôler et de diriger l'avion en question. Donc, on va le placer vers l'avant. Et pour éviter que je ne voie rien dans le noir, je lui ai rajouté des petits phares vers l'avant pour être sûr que quand il fait nuit, je vois quelque chose. Maintenant que j'ai fait ça, je prends ma molette, donc la clé à molette que vous allez débloquer, mais je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer comment obtenir cette clé à molette. Donc quand vous avez votre clé à molette, vous allez près de l'interrupteur de droite,
Là, vous allez désactiver les deux premiers canaux. Donc canal 1 et canal 2, vous le désactivez, vous laissez juste le canal 3 activé. Pour le deuxième, vous laissez juste le canal 2 activé. Et pour le troisième bouton, vous laissez juste le canal 1 activé. Alors maintenant, sur le réacteur de gauche, vous allez allumer le canal 1 et désactiver le canal 2 et 3. Sur le réacteur de droite, vous désactivez le canal 1 et 3 et vous activez le canal 2. Là en dessous, les réacteurs seront obligatoirement sur le canal 3 parce que quand vous placez un réacteur, il se met automatiquement sur le canal 3. Maintenant qu'on a programmé les réacteurs, on va programmer les roues. Donc les roues, si l'avant c'est vers la gauche, il faut que les flèches aillent vers la gauche. Il faut que les flèches aillent toujours vers le volant, donc vers le devant du véhicule. Donc ici c'est bon et ici c'est bon. De l'autre côté c'est pas bon, donc il va falloir les inverser pour les rendre mauves. Donc au final, à droite, ce sera toujours mauve et à gauche, ce sera toujours bleu. Donc maintenant, là, on a terminé le véhicule. Mais pour être sûr que le véhicule atterrisse en douceur, je lui ai rajouté un petit ballon à l'arrière pour être sûr que quand j'atterris d'une certaine hauteur, il se casse pas la gueule, quoi, tu vois. Donc là, ensuite, je m'assis sur le siège et maintenant, je peux contrôler le véhicule en allant soit à gauche, soit à droite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais tout simplement prendre mon envol en appuyant sur X. Là j'appuie sur X. Ok, donc là il part un peu en cacahuète, mais c'est pas grave. S'il part en cacahuète comme ça, votre véhicule n'est pas cassé, vous tracassez pas, c'est pas cassé parce que c'est ce ballon là qui l'a remis à l'endroit. Si votre avion termine comme ça, il n'est pas cassé, vous tracassez pas, vous avez juste à mettre un ballon comme ceci et là il va se replacer droit. Donc ça c'est une petite astuce hein, parce que sinon vous allez devoir recréer à chaque fois votre avion, ça va être une galère. Je vais aller replacer le véhicule sur un terrain plat pour pouvoir replacer les réacteurs parce qu'apparemment les réacteurs sont pas bien mis. Donc je vais aller voir sur l'autre véhicule comment j'ai fait. Ah ben en fait je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre un réacteur à l'arrière. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Ben oui. Sinon il va juste prendre de la hauteur et il va se retourner comme vous avez pu le voir. Et si vous mettez un petit réacteur à l'arrière, franchement, j'ai été ingénieur hein, pour faire ça. Si vous mettez un petit réacteur à l'arrière comme ça, là, normalement, votre avion va pouvoir décoller tranquillement. Donc on va voir, hein. On avance, on appuie sur X pour décoller. Et bon, il pique encore un peu trop du nez. Donc ça ne va pas. On va voir ce que j'ai fait à l'autre. Je pense que les réacteurs sont mieux placés. Donc on va les placer mieux ici. Bon, apparemment, il faudrait que je rapproche ces deux-là. Et je rapproche ces deux-là. Donc on va casser ceux du milieu. Et on va rapprocher les petits. On va les mettre comme ça, à l'avant. Et là, ici à l'arrière, on va le mettre vraiment collé. Donc maintenant, on va remonter l'avion. On va le remettre droit. On va remettre un ballon aussi au milieu parce que je l'ai enlevé. Et on va refaire une tentative. Normalement, ça devrait fonctionner. On va s'asseoir. On cherche la piste de décollage. On roule. Et là, on appuie sur X pour s'envoler. Et là, ça a l'air de fonctionner. Donc au début, il va piquer un peu du nez. Bon, là, j'ai touché le sol, ça ne va pas. Bon, comme mon avion pique trop du nez, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un troisième réacteur à l'avant. Logiquement, ça devrait contrebalancer le poids et ça devrait fonctionner après. Voilà, là, j'ai trois réacteurs à l'avant et deux à l'arrière. On va voir ce que ça donne parce qu'il y avait trop de poids à l'avant apparemment. Donc on roule, on active le réacteur. Ah, c'est déjà beaucoup plus stable. Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il va se retourner? Non, c'est bon. Donc là, on a bien réussi les bails. Maintenant, si je veux avancer, j'appuie sur X, hein, comme d'hab. Et si je veux tourner, j'appuie sur rond pour tourner à droite. Mais là, je lâche l'accélérateur. Donc, je rappuie sur X pour éteindre les réacteurs et pour qu'ils puissent tourner plus facilement. Vous voyez, ils tournent beaucoup plus facilement. Si je veux réavancer, j'appuie sur X. Et si maintenant, je veux tourner de l'autre côté, j'appuie sur triangle. Et là, vous voyez, ils tournent sur l'autre côté. Après, Si je veux arrêter de tourner, donc quand j'appuie, il tourne. Si je veux arrêter de tourner, je rappuie sur le bouton pour qu'il arrête de tourner. Donc là, je suis en train de tomber. Logiquement, même si je suis en train de tomber comme ça, grâce au ballon qui est en train de me tenir en apesanteur, logiquement, même si vous tombez comme ça, ça ne cassera pas le véhicule. Donc on va faire le test. Hein. On va bien voir si ça casse quelque chose. Et là, vous avez vu, ça n'a rien cassé. Donc franchement, c'est le meilleur avion que j'ai pu faire en une heure et demie. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres astuces, d'autres idées, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Code créateur S.
ACS.